La deuxième édition de l'événement de simulation des Nations Unies de SkyMoon a eu lieu mardi 25 mai. Pour l'occasion, 12 étudiants volontaires de l'université de Saint-Quentin en Yvelines sont devenus des diplomates le temps d'une journée. Chacun s'est vu attribuer un pays et ils ont choisi une commission en anglais ou en français. C'est une association étudiante donc du coup, qui regroupe plusieurs étudiants de SkyMoon, donc de l'enceinte de l'université. Et elle a pour but de mettre la simulation des Nations Unies à l'échelle étudiante et qui devront donc du coup des étudiants qui devront représenter des délégations pour des sujets très spécifiques qui initie un peu tous les pays du monde. Le but de l'association SkyMoon, permettre aux étudiants de développer leurs connaissances politiques et diplomatiques. Ils ont débattu et proposé des solutions sur des problématiques internationales. Ça mettait en place deux comités, le comité de l'UNICEF et le comité UNSCR, qui représentaient des problématiques. Donc le premier comité, c'était sur l'éducation, et le deuxième comité, c'était sur les réfugiés pendant la période du Covid. La journée s'est terminée sur une réunion de gestion de crise concernant l'attaque de la bande de Gaza. Le défi véritable, je n'ai pas réussi à le relever, que ça représentait de convaincre une assemblée entière d'adopter une certaine position sur un certain sujet, ou plutôt sujet par sujet, à adopter un ensemble de propositions. Les étudiants sont repartis avec un certificat et deux d'entre eux ont été élus meilleurs délégués.